prochaine ligne, putain, mais ta mère, vous coule, quoi. Oh, auto Chinese, putain, mais nique ta mère. Oh, c'est pas pété, ça. Oh, tout le temps, Schneid. Putain, vous avez chier. Et salut, mes beatboxers, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 8 novembre 2016, voilà, double Shiny Quest comme tous les mardis. Comme... Pourquoi il n'y a pas la 3DS? Qu'est-ce que c'est, pourquoi? Ça y est, on est bien. Donc, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé un bon mardi. Qu'il n'a pas fait trop froid. Qu'il n'a pas fait trop froid dans vos confins. Sachant que pour ma part, ce fut gelé de chez gelé. C'est-à-dire que d'habitude il fait froid le soir. Là, il a fait froid toute la journée. Donc c'est un peu chiant. Alors attention, soyez très vigilants, ce soir il y a déjà des gens qui ont accès à la ROM Soleil et Lune qui stream ça, et c'est interdit, donc il y a des gens qui les report, machin et tout, mais c'est surtout que si vous comptez spoiler, ici, si vous spoilez, vous êtes instaban. C'est qui que vous soyez, ce soir c'est comme ça que ça se passe. François Garrigostenio, streamer, instaure la peine de mort pour spoiler, exactement. Una España muy fuerte, una España unidad. T'as des mots-clés pour ban les gens qui écrivent en SMS, c'est magique. Eh oui, il y aura, ouais, ici on a des... C'est-à-dire que dans la chasse aux sous-races, on est un... Comment te dire? On est une espèce de milice indépendante de quartier, si tu veux. Sans la moustache et l'alcool maison, mais sinon c'est dans le genre. Faut que la moustache, ça commence, hein. Le No Shave November se met en place doucement sur mon faciès. Chaque année, durant l'été, j'ai l'inone dans la tête depuis deux jours, c'est affreux. Je me suis mis en PLS latéral tout à l'heure. J'étais en train de chercher des covers de Linon sur YouTube et je tombe sur Zelda Love 64. Donc l'ancienne chaîne YouTube de Christina Grimmé. Et voilà, à chaque fois, comme à chaque fois, boum, la PLS, quoi. I just need somebody to lean on. T'as fait un vieux va comme ça ou pas? Mais c'est possible, hein. Ouais. Je n'ai pas chassé aujourd'hui, mais oui, toujours Vaux plus route 48 SBQ HG. Mais tu fais un SBQ, tu fais un SQ? Tu serais devenu une sous-race faible et inutile, Minisa? Je démarre un jeu de Shiny Quest, mais c'est cool à quoi lier, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. J'adore en fait voir le nombre de gens qui font un putain de Shiny Quest depuis que vous êtes ici, le nombre de gens que ça a motivé, j'adore, je suis fan de ça. Merci à vous, parce que la motivation que je vous donne me motive. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voir être motivé par mes soins me motive moi-même pour être motivé. Dans ma tête, c'est hyper clair, hein, mais je vois pas comment l'exprimer correctement. C'est quand même 16 étapes. C'est quand même 16 étapes, mais... Ouais, bon, oui, si, c'est vrai que c'est 16 étapes. C'est vrai, j'avoue, mini-socle, j'avoue. L'automotivation. Motiveception. Exactement, c'est du motiveception. La différence entre SQ et SBQ. Un SQ, c'est un shiny quest, c'est ce qu'on fait ici. Tu écris toi-même ton script et tes différentes étapes, l'articulation entre elles et tout ça. Et en SBQ, tu fais juste 8 étapes, un shiny avant chaque badge en fait. Donc du coup, dans le cas du SBQ, enfin si tu fais sur AGSS, en SBQ, ça fait 16 étapes. Mais du coup, t'es limité par les jalons que forment les badges. Mon starter, je pars sur la première route pour chasser, puis dans la tour Chétiflore pour chasser. Non pas Chétiflore. Quant au menu, c'est 100%. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de Chétiflore. Donc tu vas faire quelque chose d'assez classique en fait, hein, ce que beaucoup de monde fait en commençant par là. Moi au final je ne sais pas si je ferais ça, parce que je me dis que Phantominus n'est pas du tout représentatif de Johto. Je pense qu'en deuxième étape je ferais plutôt genre du Watt-Watt. J'ai déjà out, on s'en passera, mais je pense que je ferais du Watt-Watt, on verra bien. Mais ça peut être sympa de faire du Watt-Watt en deuxième je pense. SBQ, je fais aussi un chaîne pré-league et un post-league. D'accord Zang, mais j'ignorais. C'est pas 100% en vrai, hein. J'ai oublié de relever à quoi c'est 85%. Mimigal ou Coxy, c'est goldé aussi d'Argo, j'avoue, c'est bien vu. Surtout que j'aime beaucoup Mimigal et Migalos, j'aime moins Coxy et Coxyclac. En fait, Coxyclac, je trouve ça marrant à jouer, mais le Pokémon, je suis pas fan en soi. Alors que Migalos, j'adore. Médisoc, président du Venezuela. La bande de génie. Possible de regarder les œufs de Castor. Les œufs de Castor? Dans la GSS, alors là, comme ça, on va te dire non. Castor, c'est le PNJ. Ah bah ça par contre c'est... je sais pas. Mais un groupe qui chante en espagnol c'est Scapé. Alors non. J'ai envie de te dire déjà non parce que c'est mécano. Et ça veut dire la camise nègre. mais tuez-le, faites un truc quoi, merde. Oh le mec, la bouteille du mini-socle. T'as fait allemand mini-socle en vrai, on est d'accord. Pourquoi y'a pas de corbeille dans les piscines? Car les corbeilles y'a papier. La match ébolite.
Et Rebloom. La meilleure de Madonna c'est Frozen. Bah mais elle n'était pas proposée là. Oh putain non. Ah la Isla Bonita. Et la chauve-souris Rosita. Oh là 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 là, on a sur un petit chinois. Je suis déçu mais je suis content. Je suis mitigé. Je vous avoue être très très mitigé. Parce que d'un côté... je vous l'ai dit. Psycho Quack j'aimais beaucoup et tout. Mais c'était surtout pour le côté collection. Genre je voulais Psycho Quack pour... la voir en fait en tant que Psycho Quack et ne pas le faire évoluer. En revanche, Nosferatu me plaît, j'aime beaucoup Nostanfer. Il y avait le gros risque ici quand même et tout. Moi je l'ai vu à la fin de l'ombre, j'ai dit oh mais attendez, il est bizarre ce Nosferatu petit. Et il est shiny, un chiffre encore bien ridicule pour cette version rouge feu. C'est ouf. Je suis à la fois triste et à la fois hyper content. C'est très bizarre comme sentiment parce que sur le coup et pour le Pokémon en lui-même, je suis content. En revanche, ça nique complètement ma recherche de Drabi. Et donc bravo à Aksu et à Narwen qui pour une fois étaient là, très très exceptionnellement. Et c'est un oiseau, finalement. Je l'ai vu shiny à 5 mètres, please. Non mais j'avoue, cette rouge queue au tas 6G. Auto 6G. Quoi? Ok Minisocle, on va dire que oui. Bah qui l'ornithologue nocturne désormais du coup. On va quand même finir le raid Latios et après on passe à la capture. Sur un overlay main, parce que s'il faut, le Latios est là aussi et il est goldé. Et ce serait beau jeu, et ce serait magnifique. Donc attendez, donc du coup on est le mardi 8 novembre 2016 et bim, le Shiney sur le Shiny Quest rouge feu. Donc je suis même pas dégoûté ou quoi, je suis juste en mode j'aime beaucoup le Pokémon, j'aime beaucoup Nostanfer, je suis pas déçu, simplement la recherche de Drabi sera compliquée. Nosferapipou, bah non on va pas l'appeler Nosferapipou, mais je sais pas du tout ce qu'on peut mettre pour l'instant, j'ai pas d'idée. Ah si, je sais, j'avais un surnom pour une femelle. Donc je le dirai au moment du surnom. Donc du coup, on va enfin savoir si le Latios est shiny ou non. Si c'est le cas, c'est goldé de ouf. Donc on est parti. Si c'est un jeu de mots avec Succube, je quitte le stream. Non, pas du tout. Donc du coup, Latios n'est pas shiny. Donc on va le compter et on éteint la 3DS. On va la mettre de côté. Pour YouTube, vous avez vu l'apparition. Vous avez vu tout ça, on avait un Latios qui n'était pas shiny sur le reset à côté. Donc on est passé sur l'overlay main. On va tout de suite passer à la capture. Théoriquement, Nosferatu n'a rien. Donc on va simplement le paralyser et pas faire Rafalpsy. On a failli bouteille. Et puis on va lancer des petites Pokéballs. Hein. Je pense qu'il n'y a rien de très sorcier pour le coup. Qu'est-ce qui lui irait mieux? Pokéball, Superball, Hyperball. Voyons comment il est. Ouais, la Pokéball, je trouve ça plus goldé en fait. Moi. Sur Rouge Feu, en fait, il y a tellement pas le choix en vrai. Mais c'est 8ème. C'est Zarba, le rappel, pas Minisocle. Ah oui, c'était Zarba, merci Zarba. Et là, c'est un petit rappel du premier coup, du coup, sur cette version Rouge Feu, juste paralysé tout simplement. Et les données sont ajoutées au Pokédex. On aura donc la transition. Master Ball, mais vous êtes con. Donc, Nosferatu, il ne possède pas Dieu, il n'utilise que ses ultrasons pour se déplacer dans les ténèbres. Et alors le surnom, on va tout simplement l'appeler Oracle. Alors là les vrais savent, certains non vrais savent aussi. Pourquoi Oracle? Oracle en fait, avant c'était Batgirl. Avant que le Joker lui loge gentiment une balle dans la colonne vertébrale. Oracle c'était Batgirl, maintenant c'est devenu Oracle. Mais c'est surtout du coup Barbara, qui est la fille en fait, aidez-moi, comment il s'appelle? Gordon, putain, c'est la fille de Gordon, donc c'est Barbara Gordon, et donc c'est Oracle, parce que du coup c'est une chauve-souris fille, c'était Batgirl, maintenant c'est Oracle, parce qu'elle a plus toutes ses capacités machin et tout, mais voilà, donc du coup on part sur Oracle, et ce sera très bien, le commissaire Colombo, carrément, donc j'aimais bien Oracle, et je me l'étais noté, j'en avais pas pour un garçon, mais voilà, donc on a Oracle, et en fait il est directement allé au PC, parce qu'on n'avait pas prévu. On est des grosses sourasses. Donc il va falloir sortir de ce petit endroit très joli. On va faire une rencontre pour dire, ouais, il n'y a pas d'action replay. Donc on refait une rencontre, on va le chercher. Et on revient... on reviendra certainement ici faire une rencontre pour avoir Nosferatu contre Nosferatu. Puis de toute façon, on va aller de l'autre côté au... comment ça s'appelle? À Cravoisil. Moi, je suis Redavid, stocké Papillon pour l'instant. Ou Persian. Bon, on va stocker Persian pour l'instant. Pas d'action replay en 2016. Oui, non, mais on sait là, mais tu sais, les gens, Minisocle. Tu vas chasser qui maintenant sur cette version? Alors, la prochaine étape, c'est Coquillasse par pêche à Bourpalette. Et c'est pour ça que je suis ravi que ça tombe, en fait. Au-delà du Shiny en lui-même,
Je suis très content que ça tombe parce que ça nous permet. On va stocker patient pour l'instant. Ça nous permet du coup de passer à la prochaine chasse qui elle est totalement goldée. Et ça c'est grave cool. Ça c'est grave grave cool je trouve. En tout cas moi j'adore personnellement. On est reparti pour aller aux îles écumes. On va comment on traverse les îles écumes? Ah ouais putain il faudrait que je me remette en plan moi. Et encore l'indésirable. Oui et non mais dans l'absolu oui c'est plus ou moins l'indésirable. Je vois ce que vous voulez dire. Mais je suis beaucoup moins mad que pour Rukul ou les trucs comme ça pour Oot etc. Et surtout le chiffre 2256. Cette version c'est vraiment un truc de malade en termes de RNG hein. Donc du coup on se redirige tranquillement aux îles écumes. On va faire la rencontre et on montrera la nature dans la foulée. Faut passer par Bourg-Palette. Ah bah non on va traverser la grotte, on est beau jeu nous. Quoique ouais mais j'ai envie d'arriver, ouais non on va passer comme ça. Donc encore un petit coquac. Et vas-y Twitchbug me dit bien ta mère. Et donc il est quand même beau hein, moi je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Et là petit coquac shiny, ce serait goldé. Mais ouais non j'avoue je suis surpris, je pensais vraiment pas que ça arrive aussitôt. Et bim, ça arrive donc c'est quand même cool. En attendant la tuos te chie dans la gueule, c'est vrai. Mais la tuos on a un tout petit chiffre aussi. Et par contre ça commence à être chiant les petits coquacs là hein. Tu peux me remercier pour ne pas avoir eu Otaria. Merci Minisocle. Merci à toi qui m'a dit de changer d'étage pour avoir 55% de psychoquac et du coup tomber sur Nosferapti. Bon, un petit Nosferapti là, s'il vous plaît. Voilà. Donc, un Nosferapti normal après 45 rencontres. Bon. Et le Nosferapti pas normal. Je crois que le jeu ne va pas bien du tout. Donc, voilà. Mais écoutez, moi je trouve ça plutôt cool, malgré tout. Et on va maintenant pouvoir regarder sa nature, enfin. Donc, du coup, on va se mettre sur Mystique et on va remonter. Donc, 1, 2, 3. Et il est doux. Ah bah non, il n'était pas du tout nature plus vitesse. Il est juste doux. Il a une bonne base de vitesse, c'est tout. Mais voilà, donc on a notre Nosferapti en 2256 aux îles écumes, au rez-de-chaussée, donc pour avoir 55% de psychoquac. Ce qui nous a bien servi hein, dans cette recherche de psychoquac. On le refera ailleurs, de toute façon, il n'y a pas de souci. Encore sous le taux, exactement. Tous les shiny de cette version, sous le taux. Alors, est-ce qu'on traverse les îles écumes ou est-ce qu'on repart depuis Bourg-Palette? Je pense qu'on va traverser les îles écumes quand même. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on entraîne dans l'absolu? Ça serait plutôt l'eau classe. Donc on va mettre l'eau classe en premier, parce que la prochaine arène est de type feu. Donc voilà, on va essayer ce soir, alors je garantis rien, mais on va essayer au moins d'aller jusqu'à Cramoisil. À Cramoisil on fera le manoir, l'arène et tout le bordel. Et puis ce sera pas mal. Au pire tu peux XP au manoir, en plus. Mais il n'y a pas tant que ça de Pokémon feu au manoir. On verra bien. Mais là de toute façon, je pense que l'eau classe est déjà apte. Il est déjà apte à one-shot tout ce qu'il y a à l'arène de Cramoisil. Hein. Oh une pierre haut, c'est cool ça, on va pouvoir faire évoluer l'eau classe en Ramolos. Mais là en soi je suis coincé et ça a tendance à m'énerver un peu. On peut pas par la grotte? On peut pas? Bah si, il y a deux entrées. Tu peux pas traverser, ça communique pas. T'es sûr Giggs? C'est full merde alors. Bon bah écoutez on sort alors si vous êtes sûr de vous. Ah bah écoutez faut passer par le groupe palette alors. Très bien, on a perdu du temps inutilement, my bad. Mais quand j'étais petit j'ai vraiment souvenir qu'on rentrait d'un côté et qu'on sortait de l'autre en fait. Il y a deux îles écumes alors. Et elle sert à quoi l'autre île écume du coup? Est-ce qu'on est d'accord que là il y a une autre île en fait? Mais c'est pas, comment elle pourrait ne pas communiquer en vrai? Genre ça me semble tellement chelou. Ah pour faire un Ticodin t'es obligé de mettre les cailloux depuis les deux entrées? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ah ouais c'est possible hein. Bah écoutez du coup on est parti pour aller à Cramoisil. Bon on va battre les gens hein parce que nous on est des warriors. Bon on va faire sur les Magikarp hein, parce que Nick il veut pas faire des tonnerres pour un Magikarp quoi. Oui mais c'est sûr qu'il est sur pas mal mais dans les recherches que je compte faire, je vous avoue qu'en dehors de Drabi j'en vois pas. Il y a la grotte perdue où il est aussi. Oui, c'est vrai, j'y pensais plus. Il y a la grotte perdue ouais, où je veux faire Cornèvre. C'est vrai, ça j'avoue que j'y pensais plus, mais c'est vrai, ça va être full merde. Ah, mais du coup, on va à Cramoisil, on va faire l'arène, le manoir, machin et tout. Donc ce soir, on fera pas tout, évidemment, il nous reste que 40 minutes là. Mais on fera quelques trucs, et puis demain on finira. Pas demain, du coup, lundi prochain on finira. Et on passera tranquillement à la recherche de coquillages que j'attends vraiment avec impatience. Alors elle est risquée puisque j'ai quand même 40% de risque de doublon d'hypotrempe. Il y a 5% également d'hypocéon ou 4% je ne sais plus. Il y a 1% de psychoquac malgré tout, c'est pas mal. Voilà. Mais ça peut être sympa. Et j'espère que ça tombera sur ma cible pour le coup. L'apparition a été spéciale. C'est genre, oh il est shiny non? Bah je sais pas, je suis mi-content. Mi-content, mi-espiègle. Vous voyez ce que je veux dire? Putain pourquoi j'appuie sur L sans faire exprès moi? Qu'est-ce qu'on va accompagner pour ce petit combat double? Bon, on va forcer les bombos. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les étoiles de Nidoking. Alors, comment on va procéder? Je pense qu'on va tonériser Staros. Et qu'on va forcer sur Hypocéon.
Oh, ça c'est un bon bail. Ça, c'est un sacré bail. Pic-Pic ou Darvenin? Oh, vas-y, on vire Darvenin, faut pas déconner, quand même. Quand même. Je pense que pour le fun, on va tester Mégacorne. Et bim! Un bazooka pour tuer une mouche. Voilà, c'est ça qu'on aime. Donc bravo à toi, Nido King, d'être encore plus bourrin que tu ne l'étais déjà. Donc là, qu'est-ce qu'on en a? Un petit nageur, viens ici. Le petit baigneur, on l'appelle dans le milieu. Certains l'auront, celle-là, mais pas beaucoup, je pense. De Funès, et oui, j'ai ri. En tout cas, c'est grave, 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 grave cool ce qu'on fait. Parce qu'on avance tellement bien dans ce Shiny Quest là. Déjà 8 Shinei. Donc on a fait la moitié des étapes. Hein. Et la prochaine est carrément, carrément goldée. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça, parce que j'essaie d'économiser des pépés de tonnerre pour les dresseurs qui nous restent jusqu'à Cramoisil. Un petit magma. Il n'y a pas magma au manoir. Et non, c'était uniquement première génération. Il est uniquement au Mont Braise et sur Verfeuille en deuxième, en 3G. Pardon. Si t'es un vrai, tu te le fais avec Nosferatu. Non, parce qu'en fait, je vais peut-être pas forcément le faire évoluer tout de suite. Dans l'absolu, je pourrais en avoir d'autres qui, eux, pourraient être d'une bien meilleure nature, etc. Donc pour l'instant, il a un surnom et tout, mais je pense pas qu'il évoluera tout de suite. Parce que gros risque de doublon malgré tout, et à la grotte perdue sur cette même version, dans une des étapes du Shiny Quest, et dans ma future chasse de Drabi que je ferai sur 3G au site Météor. Et vous avez vu que la couleur de peau de Carabaf, c'est presque celle de Loclas Shiny. Je pense qu'il sera vraiment fort, Loclas, pour la ligue. Il me semble qu'on est obligé de d'abord faire le manoir pour ensuite faire l'arène, on est d'accord là-dessus, hein? Parce que là, il nous reste 34 minutes, 20, non, 26 minutes. Est-ce qu'en 26 minutes, on a le temps de faire le manoir? Ah, faut trouver la clé dans le manoir, d'accord. Bah écoutez, on est parti. Il y a des objets à droite, je crois. Bon, il y a des shiny goldés, hein. Kaninos, Mogo, Métamorphe, si je dis pas de bêtises également. Plein de trucs cool. Il y a aussi Ratata et Ratatac, je crois. Prendre ton sac de nœuds pour route, des fois que Kaninos tombe. Alors, sans dire de conneries, je crois qu'il a plus Cyclone à ce level. Au pire, on a la Master. Hein. Donc, quoi, bon. T'as une pierre lune sur un épulier. Merci, Jerry. Il a pas hurlement. Là, il a plus hurlement. On est d'accord là-dessus. Merci à toi, Dingo, de confirmer. Jerry, t'es sûr de toi là? Par contre, il est possible que Smogo ou Smogogo ait destruction. Et ça, on n'est pas prêt du coup. Les piliers de l'entrée. Ah, les piliers de l'entrée. Ouais, quand... on va finir notre petit tour ici, puis on va revenir à l'entrée. Bah, mais le mec, tu précises pas aussi, alors voilà. Et vous imaginez qu'au prochain badge ensuite, enfin là, on est contre Auguste, mais après, du coup, ce sera Giovanni, on aura séisme enfin sur Nidoking, quoi. On aura le Nidoking de compète. Et hop, niveau 42, tu vas faire quoi? Il monte tellement bien le classe. Et le classe nous servira aussi beaucoup contre Giovanni d'ailleurs. Donc faudrait qu'il soit au top là. Il nous servira à la ligue pour Olga aussi. Donc ouais non, il va être vraiment goldé le classe. Nidoking OP, Nidoking carrément OP. Ouais. La méga corne, séisme, force, double pied, ça va déconner moyen. Hein. Bon, on va retourner sur les piliers. Vous savez quoi? On va aller acheter des repousses. Parce que je vais tilt, tiens. Bon, ok, il n'y avait pas de pierre lune, c'est pas grave. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter des repousses, les réserves des fossiles. C'est pas prévu, on fera certainement du Kabuto en double, mais après le Shiny Quest, on en fera avec Rougefeu et Leurfeuille en même temps. Ça mériterait un petit peu comme une fixe dedans, un peu comme le château enfoui, j'avoue. Un espèce de Kaninos en laisse attaché à une niche. T'as d'autres idées à la con? Non, j'avoue. Non, mais j'avoue, en vrai, ce serait bien. Mais un truc, genre Mew, par exemple, tout bêtement, hein. Mew pourrait être là, revenir sur les cendres de son génome. Tout à fait, c'est là qu'on a fait les recherches sur Mewtwo, exactement. Bon, on va voir, spoil pas pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu, Jerry. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas fait les versions Rougefeu et Leurfeuille, donc vous allez découvrir un petit peu tout ça, mais c'est un lieu important ouais, de la jeunesse de Mewtwo. De la jeunesse, hein, de la genèse. Et genèse n'a jamais été aussi bien employée d'ailleurs. 10 juillet, le Pokémon a été baptisé Mew. Là, t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi ça s'agit? Et vous allez voir. Le 5 juillet, Jungle X, un nouveau type de Pokémon a été découvert. Donc là, ils l'ont baptisé Mew 5 jours plus tard. Les mecs ont cherché un nom pendant 5 jours quand même. 6 février, Mew et papa, ou maman. Le petit a été baptisé Mewtwo. Après, c'est du clonage, hein, donc le petit. Et je les trouve stylés, les pierres en vrai dans cette version. Parce que ça a vraiment du sens de les foutre dans le manoir avec ce skin en mode roublard, en cambriole, on pille, etc. Vraiment, tu vois. Donc du coup, coucou toi. Et je crois que je suis en train de faire une connerie, que c'est dans le premier truc qu'il faut tomber là. Et donc si je dis pas de bêtises, il faut tomber dans le premier trou. Petit, ça m'avait marqué, genre, ah j'ai vraiment battu le dresseur pour rien. Du coup, t'as battu le dresseur pour rien. Oui, mais on a eu de l'XP, Jerry. Alors que petit, je voyais pas ça comme ça. Je voyais ça genre, putain, mais je dois être en retard à l'école, ma mère elle va me gronder. Donc là, il faut, je pense, redescendre avec un truc à activer. On va pas sortir pour l'instant, parce que je sais pas du tout où ça mène. Ouais, tu vois, il va nous bloquer ce con. On va remonter l'escalier, on va revenir, parce que c'est chiant. 1er septembre, Mewtwo est trop puissant, nous sommes impuissants face à ses pièges, et ouais. Donc là, si je dis pas de conneries, on pourra pas passer, donc il faut activer les boutons. Bon, du coup, ça se passe bien, bon après, ça va être chelou, comme à chaque fois, quand on a un Shiny le mardi en fin de stream, ça repousse la suite à une semaine plus tard, c'est toujours très bizarre, donc du coup, ce sera lundi prochain.
attention, c'est Mew. Et non, c'est une clé secrète. Donc on y est allé mais sans même savoir pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'une clé. Et donc là on va pouvoir sortir du manoir, on a fait le tour finalement, on aurait été assez rapide. Donc du coup on va arrêter le stream là-dessus, on va sortir, on va soigner nos Pokémon, se mettre devant l'arène et ce sera très bien. Donc on a fini le manoir, ça c'est fait. Donc on va sauvegarder, on va d'abord soigner les Pokémon, sauvegarder et ce sera très bien. On va même se mettre devant l'arène, bien, vous savez quoi. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va pas aller à l'arène direct, on va d'abord explorer ce pan du chenal je ne sais combien. Et ensuite... on ira à l'arène avec le... on a le class en first toujours. On va regarder. On a le class en first donc ça va lui prendre un niveau, un truc comme ça. Tu préfères qui dans ta team? Nidoking, le class et Dracaufeu. Bah mes cibles en fait hein. Après Papillusion était une cible mais je préférais de loin Dardarnian. Bon c'est juste histoire de nettoyer la route et de pas laisser traîner XP en fait quoi. Il est quand même vachement mignon qui a ça. Limite je préférais faire un gros chiffre et avoir mes cibles comme petit chiffre pour avoir un recall. Ou un hippotrempe dans le cas présent. Nidoking et Loclass étaient à égalité et maintenant Loclass passe devant. Oh mais y a plus personne. Ah si elle. Bonjour madame. Voilà. Donc voilà, donc du coup on va retourner à Cramoisil parce qu'on a fini les dresseurs du chenal 19, si j'ai pas de gagner, c'était le 19, non c'est le 20. Donc du coup on va soigner Loclass, on va aller dans l'arène, péter la gueule des fiefés pantins et d'Auguste. À des fiefés pantins, exactement. Et puis après, ce sera bien. On est parti pour des vrais beaux. Et ça va être cool. Donc voilà, prendre un anti-brûle. Alors j'aimais beaucoup ce concept parce qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de battre les gens. Vous pouvez répondre à des questions en parlant aux machines. Et quand j'étais petit, je faisais les deux. Je répondais à la question et après, je battais les mecs. Et j'aimais bien. Mais on va peut-être faire ça d'ailleurs. On va tester nos QCM Pokémon. Un Léviator à 26 189 en compte, les bovos. Bon après, Léviator pour moi c'est mon bouteille qui potrompe ou qui possède, vraiment. Psycho-quack, j'aimerais ne pas l'avoir là. Vraiment la cible c'est Coquillas. Si j'ai pas Coquillas, je serais déçu quoi qu'il en soit. Mais franchement, j'aimerais bien faire 10 000, mais avoir Coquillas. Plutôt que faire 3 000 comme à chaque fois sur cette version, pour avoir Hippotrompe, tu vois. 40% d'Hippotrompe et de Coquillas. Je crois que c'est 15% de Léviator, 4% d'Hypocéan et du coup, bah, basiquement 1% de Psycho-quack. Je suis nippé en crise d'acier. Oui! C'est quoi que ce serait un beau veau? Ça serait un beau veau, mais on peut le faire ailleurs, à plus haut pourcentage, voire à 100% et tout. Donc c'est ça qui m'embêterait. Par contre, est-ce qu'on aura cette PP pour surf? Je pense qu'il faudra qu'on aille se soigner à un moment donné. Hein. Voilà. Après, j'aime beaucoup la pêche sur Rouge Feu Airfeuille. C'est très agréable. Il y a pas de concentration à avoir comme sur Ruby, Saphir, Emerald et tout. C'est vraiment brain dead et c'est ça qui est agréable en fait. Ça rend le truc cool quoi. Non. Il n'y a que 8 badges dans Pokémon. Plus Braindead qui est Crozza. Bah, c'est Braindead mécaniquement. En termes de chance, c'est beau jeu. Mais en termes de mécanique, c'est... enfin, il n'y a rien à faire. Hein. T'appuies sur Select et après t'appuies sur A. Et si y a un Pokémon, t'appuies sur Fuite. Et s'il n'y a pas de Pokémon, t'appuies sur Select et t'appuies sur A. Voilà. C'est génial. Par contre, pourquoi ils ont tous des Pokémon full chiasseux? J'ai un Loclass Shiny, les mecs, réveillez-vous, tu sais. Donc, du coup, je crois que le mec à la fin il a Fena, Arcanin et Magmar, c'est ça? Je crois que c'est ça. Je sais plus. On ira se faire soigner avant Auguste. Pas pour les PV, parce qu'on perd rien. Niveau 46 déjà, hein, c'est beau jeu. 3 levels sur machin, sur Nidoking. Mais simplement pour les PP de surf, parce que c'est. Ben, on en a 15 et que. Voilà. Non, il évolue deux fois, petit art. Les capacités électriques sont efficaces? Non, c'est immunisé. Il y a une époque, je me serais pris un coup de tête, hein. Va te faire foutre en privé. Bon, surtout il y a une époque où tu t'étais déplacé, ce genre de choses. Là, maintenant, bah, je m'en fous, c'est rigolo. Mais quand on me plaque sur l'hôtel, là, je rigole moins, tu vois. Quand je suis en mode Ted Mosby, c'est moins marrant. Là, c'est pas un coup de tête que tu vas prendre, c'est un coup d'autre chose. Tu cherches aussi, hein. Je suis désolé. Alors, une bonne réponse, hein, une erreur, tu seras... ça sera sur YouTube, hein, évidemment. Donc, coucou maman, d'ailleurs. Les Pokémon de même type et du même niveau sont différents. Oui, ça s'appelle la nature et les IV. Non, merde, c'est tunnel. J'ai mis oui, je sais très bien que c'est tunnel. C'est juste que j'ai appuyé sur A trop vite. Bon, après ce truc-là, je crois que c'est Auguste, donc on va aller se soigner. Il nous reste combien de PP? Parce que là, je crois qu'on est en PPLS. Ouais, voilà. Il nous reste où? Est-ce qu'on est à Auguste? On est à Auguste, donc on va se soigner. Et c'est parti pour le combat épique qui sera très difficile. Mon nom est Auguste, je suis le champion d'arène de Cramoisil. Mes Pokémon flamboyants vont te réduire ensemble. Oh. Ah, j'espère que tu as l'antibrûle, il va bientôt faire très chaud. J'ai bugué complètement sur le ah, ah, ah. Je crois que c'était Ola, je me disais pourquoi Ola. Et c'est très bien, donc on est contre Auguste. Le 7ème badge. Bientôt la fin de nos pérégrinations badgères. Et c'est plutôt cool. Donc là, on va lui rouler dessus. Hein. Vraiment, ça va être... Les techniques de ce Loclass vont vous étonner. Et non, Volcanion est jouable, mais bon.
Enfin, je sais pas, genre, je trouve pas ça. Tu vas aller chercher où? Bah, chez Micromania. Genre, le principe des cadeaux Micromania. Donc, on lui roule un peu dessus, Auguste, à coup de surf. Des combes d'Isocle, soyez vous toi le campion de la Isla Bonita. Ben non. Et donc, on est parti. Donc, là, il a quoi? Galopin. Ah non, il a Magmar en dernier, c'est pas ça? Avec déflagration. Et il nous donnera déflagration si on le bat. Bon, c'est parti pour, hein, mais sait-on jamais. Ah! On doit vraiment pas être loin, là. Fais dehors sur la route 7. Et bon courage pour un. Ah non, c'est Arcanin, il a pas du tout Magmar. C'est que dans l'animé en fait qu'il avait Magmar. Mais je crois que dans Rouge et Bleu, il avait Magmar lui, non? Je sais plus, j'ai le doute d'un coup. J'ai souvenir d'un Magmar, moi. C'est peut-être celui de l'animé en vrai. Ok, le coup critique. Bonjour. T'es en mode bon, bah écoutez, c'est sympa apparemment. Non, mais il m'a outspeed en fait, ce fils de chien. Bah attendez. Mais là, il va claquer une super potion. 100% il claque une super potion. Ou une hyper potion, vous avez compris le délire. Du coup, on va jouer un peu le axe, et puis sinon, on va finir avec Nidoking. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, bim, il est confus. Ah, total soin. Bah, du coup, c'est cool pour nous, malgré tout. Hein. Enfin, en fait, non. Sauf sur l'OS, mais il n'y a pas de raison. Non, non. Oh, je sais comment on va faire. Voilà, histoire de, tu vois, prouver notre supériorité. Rouge et bleu jaune, il est d'accord. Merci, Bisbaïnono. Il est déprimant Auguste en vrai. Hein. On combat le feu par le feu, comme contre Auguste dans l'animé, tu vois. C'est Dracaufeu contre Magmar, mais là c'est Dracaufeu contre Arcanin. Par contre, et il nous met la bitasse en vrai. Hein. Je sais pas s'il a crit ou pas là. Bon, on va faire des cruels. Hein. Auguste a un Magmar dans OAC, dans la GSS, mais pas dans la RBJ. Ah. Et tu sais qu'il est pas fort son truc. Hein. En même temps, il est niveau 47. Ça va nécessiter l'aide de Nidoking, ça. Non, je pense que je le tue en vrai. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on veut. Du coup, on up deux Pokémon à la fois. Hein. Donc 47 pour Nisseac déjà. Truc, il est tellement tanky en plus. Et Kal qui monte au niveau 41. Il cogne quand même pas mal. Hein. Et vlouf, je me suis fait vaporiser. Et bah oui, désolé mon petit Auguste. J'ai gagné le badge Volcan 4700 Poké$. Et là, il va me donner ma putain de CT. Ah, le badge Volcan augmente le spécial de tes Pokémon. Prends ça aussi. CT 38, donc déflagration. Et la technique de feu ultime ne la donne pas un Pokémon haut, ce serait du gâchis. Ce serait surtout pas possible. Donc du coup, bah, on est bien là. On va faire soigner nos Pokémon. On va en stocker un, puisqu'il faudra faire de la place pour le petit. Espérons que ce soit un Kukias, mais il faudra faire de la place pour le prochain Shiny. Donc je pense qu'on va stocker Persian, qui en l'état actuel des choses ne nous sert plus vraiment ni pour l'aventure, ni pour la capture. C'est-à-dire que là, on va pour la capture, c'est simple, de toute façon, ce sera Papillon, quoi qu'il en soit. Je viens pas tout de suite, Léo. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est maintenant qu'on peut aller aux îles déjà? Mais c'est là, il y a le truc avec les chiens et tout. Donc on va peut-être le faire maintenant, ça. On va faire notre chasse tranquillement. On fera Léo plus tard. Mais on peut pas faire ça. C'est pas après la ligue normalement qu'on va dans les îles Séville ou j'ai rien compris? Je sais plus du tout. En vrai, je sais plus du tout. Hein. J'avoue. Ah merde, j'ai oublié de stocker. J'ai oublié de stocker. Donc on va stocker. On va aller à Bourg-Palette et puis on sera arrivé sur notre lieu de chasse. Il y a une partie avant et après. On est obligé de le faire avant la ligue, on peut pas. D'accord. J'avais déjà stocké Persian, mais j'ai qui dans mon équipe alors? Ah, c'est Nosferapti qui est là, putain, j'avais zappé qu'on avait un Nosferapti moi. Bah écoutez, on te stocke, petit Nosferapti. Hein. Donc voilà notre Shiny indésirable. Lui qui est pas un Shiny, là on va le mettre en bas. Voilà, comme ça. Mais voilà, on a nos petits Shiny indésirables. Enfin, indésirables. Persian c'est cool, mais les autres c'est pas. Voilà. Surtout lui, hein. Oh là là. T'es pas obligé, mais tu peux. D'accord, mais donc du coup, je le ferai certainement après la ligue, moi, parce que ça m'arrange mieux par rapport à mon Shiny Quest. Non, mais quand je dis les oiseaux, c'est qu'il me semble que la quête à faire dans les îles, c'est de réparer le machin de Célio, là, ou je sais pas quoi, Caliceo, machin. Et du coup, ça débloque les chiens. Les fuyards, c'est post-league. Ok, très bien. Donc ça, c'est rassurant. On va sauvegarder et on va se mettre à chasser. Mais avant ça, ah non, il y a un truc que j'ai oublié de faire également. C'est de mettre du coup Papillusion en first. Et il a trop fait le taf, le classe en vrai là. On va les trier par niveau, moi, ça me fait plaisir. Voilà. 3 niveaux 41, 43, 47. Et on va pêcher les Pokémon niveau 15. Et on va mettre en first. Allez là. Voilà. Pas en first, mais en raccourci. On re-sauvegarde, comme ça on aura le raccourci. Du coup, YouTube, pour vous, la vidéo de Coquillas, enfin de. On la refait.
Pour vous, YouTube, la vidéo de Nosferapti obtenue aux îles Écumes s'arrête ici. Puisque nous on va commencer à chasser coquillages, on va changer d'overlay pour faire ça en double avec la tueuse à côté machin et tout. Donc YouTube, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand cette vidéo arrivera parce que j'ai celle de Roku à faire, celle de Etourval à faire, celle de Nosferapti que vous regardez à faire. Donc j'ai voilà, je suis en retard et j'ai pas du tout pour l'instant la motive pour faire les vidéos des indésirables comme ça. Donc on verra quand est-ce que ça arrivera, mais vous la verrez forcément un jour. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais des bisous. Voilà, n'hésitez pas à passer sur le stream si ça vous plaît, si vous voulez voir ce qu'on fait en live et tout ça. Sachant que je doute que ça arrive avant la sortie de Soleil et Lune, mais au cas où, sachez qu'on fait un marathon pour la sortie de Soleil et Lune, enfin un demi-marathon. Il y aura 12 heures de stream par jour, ça pourra vous plaire. Voilà, il y aura de la chasse et du let's play. Voilà, donc à plus YouTube, bonne fin de vidéo, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne fin de nuit, et à bientôt, ciao!